Le port sec de Lukangaba s'étend sur une superficie de 100 hectares avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Autour de cet immeuble, des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour les trafics transfrontaliers à l'import comme à l'export. Un bâtiment administratif et des locaux attribués aux banques et autres agences en douane pour les transactions complètent le décor. Ce port sec est une première en RDC et n'attend que son inauguration par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jacques Kaboula Katwe, l'assistant du président de la République, sont chargés des missions pour le Grand Katanga et les délégués de la primature se sont imprégnés des préparatifs de cet événement qui réunira plusieurs délégations venues de Kinshasa. La délégation a suivi toutes les explications techniques sur les différentes infrastructures. Le port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa, déjà saturée par le nombre de tracts. L'inauguration du port sec sera couplée de la remise officielle de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya-Lukangaba, longue de 150 km, construite dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et la société chinoise Jiahu. La délégation visitera également l'école technique professionnelle cité des jeunes Don Bosco à Kasumbalesa Village en pleine construction sous financement du gouvernement de la République dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Cette école fonctionne déjà avec 5 classes déjà équipées pendant que les ateliers sont en chantier. La mise en œuvre de ce projet est assurée par les diocèses de Sakanya Kipushi. Un autre projet qui a intéressé l'équipe d'avance du chef de l'État, c'est la sous-station électrique en pleine érection pour alimenter officiellement la ville de Kasumbalesa. Le gouverneur Jacques Kaboula Katwe et ses hôtes ont eu comme point de chute le nouveau bâtiment qui abrite le service douanier de Kasumbalesa.